Yep tout le monde, c'est Kalizorix TV, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur le mode histoire de Obscur pour la suite du mode histoire les amis. Du coup ancien épisode les amis, on s'est arrêté dans cette pièce. Et je vais pas vous le cacher, ce qui nous attend derrière cette porte, c'est pas... Ah ça va pas être simple. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sans vous spoiler, bien évidemment. Du coup on va juste regarder un peu la vie. Ouais bon, niveau de la vie les potes on est bien. On est bien, on a 9 trousses de secours, ouais on a 5 trucs pour soigner. Bon au niveau des balles on est bien. On a une grenade, ça va être pas mal. Ça va nous servir, on l'a gardé exprès. Et on a le laser. Ça c'est une arme qu'on chope vers la fin du jeu, parce que là je vais pas vous le cacher qu'on est vers la fin, hein. Voilà, je vous en dis pas plus les amis, mais cette arme là on l'a gardée exprès, parce que voilà encore une fois les amis je connais le jeu, hein. C'est pas une découverte pour moi mais pour vous. Mais du coup ouais, on a gardé cette arme là exprès pour ici au fait, voilà tout simplement. Donc là on va affronter un boss les amis. Il y a une technique, voilà. Il y a vraiment une technique pour le pour le tuer, tout simplement. Donc soit on le tue à l'arme, donc au gun et au fusil à pompe, soit on le tue au laser. Et vous allez voir que le laser, c'est pas mal cheaté quand même. Voilà. Donc on va le faire au laser. Voilà. Ça c'est une arme qu'on débloque dans le mode histoire. De toute façon, voilà, si vous avez suivi tous les épisodes, vous allez très bien le voir que... Vous avez très bien vu aussi que voilà, je l'ai débloqué dans le mode histoire. Bon bah écoutez les amis, on est parti. J'ai un peu peur quand même. Mais bon, on se lance. Léonard, excuse-moi. J'avais enfin trouvé la formule. J'y étais presque. Je suis en pleine forme.
Et voilà les amis. Alors on va skipper. Et voilà les amis. On a fini le mode histoire de Obscur 1. Comme dans l'ancien épisode, je l'ai déjà dit, mais il y a Obscur 1, donc celui-ci est Obscur 2. Donc on verra si par la suite on fait Obscur 2 ou pas. On verra, les amis, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un plaisir pour moi de partager ce jeu sur la chaîne. À ma communauté, ça fait vraiment plaisir. Mais en tout cas, voilà, comme vous l'avez vu, le boss final... voilà, le boss final, il y a des astuces, quoi. Il y a une grosse astuce, voilà, il faut pas faire du n'importe quoi, parce que, voilà, hein, on l'a très bien vu, Shannon, bon, c'est pas moi qui l'a géré, c'était l'ordinateur, mais, elle a pris cher. Shannon a pris très cher, donc, voilà, mais une très grosse astuce, donc voilà, en fait, il faut lui casser les formes de zones rouges qu'il a autour de lui, il faut les casser. Après, il y a une forme, une petite lumière blanche, donc il faut tout de suite aller dans la lumière blanche. Si on n'y va pas, ben c'est un one shot, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Mais voilà, bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment un jeu aussi que j'ai platiné hein, sur Steam. Je le rappelle, hein, il est sur Steam, il y a Obscur 1, Obscur 2 sur Steam. Donc c'est un jeu que j'ai platiné, que j'ai fait à 100%. Je sais pas si je pourrais vous le montrer en vidéo. Je pense pas, les amis, je pense pas. Ah si, normalement vous le verrez. Succès remporté 19 sur 19, 100%. Mon temps de jeu est de 26 heures. Voilà. Normalement vous l'avez vu au pire des cas, bon si vous l'avez pas vu c'est pas si grave que ça, mais en tout cas voilà, c'est vraiment un jeu que j'ai platiné, donc voilà, c'était pas du tout une découverte pour moi encore une fois, mais en tout cas voilà, c'était vraiment du kiff les amis, vraiment du kiff, et encore une fois on verra par la suite si on fera Obscur 2, on verra les amis. Bon, en tout cas voilà, si l'épisode vous a plu, encore une fois n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est très important les potes, je compte vraiment sur vous. Active aussi la cloche, comme ça moi tu seras quand mes prochaines vidéos sortent. Tout simplement, je le dis très souvent parce que voilà, c'est très important. Et on se retrouve très bientôt les amis pour d'autres vidéos sur d'autres jeux.
Et ce qui va arriver, les amis, par la suite, ça va être du lourd comme obscur, comme... Voilà, la plupart des let's play que je fais sur la chaîne, c'est quand même des bons jeux, on va pas se le cacher. Après, voilà, c'est surtout des jeux que j'aime. Voilà, je calcule rien en avance, je me dis pas si ça va aimer, si mes abonnés vont aimer, s'ils vont pas aimer. Le plus important, c'est que... Voilà, de toute façon, moi, je suis quelqu'un, moi, je fais tout au feeling. Hein. Et pour moi, le plus important, c'est que je fais des vidéos sur des jeux que j'aime. Et obscur, on va pas se le cacher, les amis, c'est du jeu, quoi. Voilà, c'est du jeu. Si vous avez un petit PC, parce que, voilà, pour jeu obscur... Il faut pas un gros PC gamer, faut un... voilà, il faut quand même une petite config, voilà, faut pas non plus un PC à 50€ ou à 100 balles, faut quand même une petite config, mais voilà, il faut pas du gros PC de malade quoi. Donc voilà, si vous avez un petit PC, si ça vous a donné envie, surtout, bah, n'hésitez surtout pas, il est à 15 balles, 15€ le 1 et le 2, voilà, il y a le pack, voilà, il y a un petit pack, et il y a Obscur 1, Obscur 2 pour 15€, donc... Lancez-vous les amis parce que c'est vraiment du jeu. Bon, je le rappelle, on peut jouer soit jouer en solo comme j'ai fait, soit jouer à 2 en coop ou même en coop à 4. Donc c'est vraiment à 4 à mon avis, ça doit être quelque chose quand même. Hein. Jouer à 4 sur le même écran. Après voilà, je le rappelle, c'est pas chacun chez soi, c'est vraiment sur le même écran, dans la même baraque, dans la même maison. Et c'est ça qui était sympa sur les jeux. Bah, avec les jeux de l'époque quoi, c'était... C'était pas comme maintenant, quoi, c'est... Là, quand on rentrait dans une pièce, chaque pièce avec... bah, chaque pièce, excusez-moi, il y avait vraiment une petite ambiance. Chaque endroit, il y avait son ambiance. C'était pas pareil, quoi, et... C'était... En tout cas, voilà, c'était vraiment du kiff pour ma part. Et je sais que, voilà, vous avez aussi adoré, parce que, voilà, c'est vrai que j'ai eu un très bon retour sur Obscur 1, donc ça fait plaisir, les amis, mais en tout cas, voilà... Prenez très soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres jeux. C'était Kalizorix TV. Allez, bye bye, bye bye, bye. Les amis, j'ai oublié quelque chose. Eh oui, t'as cru que j'allais te laisser comme ça, partir. Déjà, je ne pars pas si tu mets pas un like. Déjà, rien que ça, je ne pars pas. Non, je plaisante, bien évidemment. Non, les amis, quand on finit le jeu, c'est ça que je voulais vous montrer que j'ai complètement oublié. Voilà, on débloque le mode bonus. Et dans bonus, il y a les musiques. Voilà, bon, c'est toutes les musiques du jeu qu'on peut écouter. Voilà, tout simplement, toutes les musiques du jeu qu'on peut écouter. C'est vraiment sympatoche. Après, il y a le... Dans bonus, il y a extra. Et qu'est-ce qu'on débloque dans extra, les amis? Et on débloque ça, tout simplement. Voilà, c'est une petite arme en plus, c'est des skins d'armes, voilà, rien de très important, mais j'avais envie de vous le montrer. Donc ça, c'est un flingue qu'on débloque quand on finit le jeu, voilà, dans le mode spécial, encore une fois. Voilà, ça c'est une tenue en plus, ça c'est Josh, voilà, sa nouvelle tenue en mode spécial qui est vraiment sympathique, j'aime bien. J'aime beaucoup Stanley, une petite tenue que j'aime bien, voilà, c'est ça reste sympa je trouve. Shannon aussi, une petite tenue sympatoche. Et Kenny, voilà. Et là il y a des petites vidéos qu'on débloque quand on finit vraiment tout, le mode difficile, le mode normal et le mode facile et le mode spécial. Une fois qu'on a tout fini, bon, on débloque toutes les petites vidéos qu'il y a à côté. Donc ça, voilà, c'est des croquis, en gros, c'est, voilà, ça montre un peu les créateurs, ce qu'ils ont fait, avec les dessins, tout ça, c'est vraiment, c'est assez complet, j'aime beaucoup. Ça, c'est les vraies personnes dans la vraie vie, quoi, c'est énorme. Franchement, bon, ils ont flouté leur visage, parce que, voilà, ils voulaient... être incognito, mais énorme quoi, franchement énorme. Donc voilà, c'est tous les petits croquis, toutes les petites choses. Ouais, c'est assez spécial, hein, c'est ouais. Mais c'est aussi ça quoi, l'univers obscur, hein, c'est. Et voilà, on a fait le tour pour ça. Il y a aussi ça, voilà, des petites photos comme ça. Ça reste vraiment sympa.
Et là, après, il y aura des vidéos aussi. Je vais vous montrer ça, de toute façon, pas de soucis, les potes. Hein. Je vais tout vous montrer. Voilà, on a fait le tour. Il y a une vidéo au-dessus, je vous la laisse écouter, c'est parti. Donc ça c'est à l'époque, voilà, quand les créateurs du jeu, ils étaient en préparation quoi, pour faire le jeu quoi. Ils montrent un petit peu à l'époque les personnages, tout ça, c'est vraiment sympa je trouve. Et je le rappelle, Obscur 1, c'est un jeu, il est sorti, les amis, il date, quoi, le jeu. Et je trouve, pour un jeu de l'époque, c'est tellement bien pensé, quoi, c'est... On s'en rend pas compte, hein, ce qu'il faut pour faire un jeu, quoi, c'est... C'est des semaines, des mois, des années de travail, c'est... Donc là, il montre un peu. Regardez rien que les ordinateurs de l'époque. Ah non, c'était quelque chose. Hein. C'est... Tout ça, c'est les développeurs du jeu. Hein. C'est toutes les personnes qui ont créé ce jeu-là. Quoi. C'est... Oh là là, les vieux ordinateurs. Quoi. Et vous imaginez, avec des vieux ordinateurs comme ça, ils ont fait un bon jeu comme ça, c'est quand même hallucinant, quoi. Waouh. Oh là là, avec la toute première Xbox à l'époque. Game over. Donc voilà, ils ont mis ça comme vidéo. Ils ont mis le A et le B. Je vais vous la mettre tout de suite, les amis. Donc il y a la bande annonce et la vidéo. Ok, c'est parti. Bon, il n'y a pas de son par contre. Et je trouve ça dommage aussi qu'ils n'ont pas continué leur lancée quoi, sur Obscur 3 et pourquoi pas Obscur 4. C'est dommage qu'ils n'ont pas continué parce que franchement, les amis, on va pas se le cacher. C'est du jeu quoi. C'est du jeu. Ça, on dirait Obscur 1 mais en remasterisé quoi. Ouais, ça c'est. Et voilà, et encore une fois, pour tuer les monstres, et ben c'est la lumière, hein, c'est franchement, c'est bien pensé, quoi. C'est bien trouvé, c'est bien pensé, c'est... Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi, qu'ils n'ont pas fait Obscur 3, Obscur 4, même Obscur 5, quoi, c'est... Imaginez un Obscur 3 ou Obscur, je sais pas moi, Obscur 4 sur Play 5, ou sur Xbox Series X, ou même sur PC, quoi, ça doit être... Ça doit être quelque chose. Donc, et maintenant la bande annonce.
plane. Let's go. Yeah, come on. Wait! Voilà, tout ça c'est des petits bonus en plus quoi, c'est faut vraiment tout faire quoi, après finir le jour difficile, tout ça, tout ça. Et voilà les amis, je vous ai tout montré. Donc tout ça, voilà, c'était vraiment le côté bonus, quoi. C'est quand on finit le jeu, encore une fois, en facile, en normal, en difficile. Quand on finit aussi le mode spécial, hein, qui est juste là en dessous. Voilà, quand on finit tout, bah, on va dans bonus, encore une fois, extra. Et on débloque les tenues spéciales, on débloque tout ça, quoi. Donc c'est vraiment complet et sympa, je trouve. En tout cas, voilà, encore une fois, les amis, si la vidéo, elle vous a plu, ben, bombardez les likes, abonnez-vous en masse, je compte vraiment sur vous. Un petit commentaire positif, négatif, ça fait... C'est toujours bon à prendre et c'est comme ça qu'on avance. Et surtout, activez la cloche, les amis, je compte vraiment sur vous. Je vous laisse là, prenez très soin de vous, encore une fois, c'était KaiserXTV. Allez, bye bye, bye bye, bye.